peux venir comme ça. Je commence à me positionner. Vous pouvez, si vous voulez, le rentrer là. Je vais partir là. Ok. Là, on va s'amuser. Ok, admettons, il tape pas. D'accord ? Donc, d'ici, ce que je vais faire, je vais essayer de revenir ici et aller chercher. Alors, par contre, erreur, son bras est peut-être à l'intérieur. Pas le bras ici. Hein. Le bras doit être ici. Ok. Une fois que son bras est là, ce que je peux faire, c'est venir. Ici. Pour prendre le dos. D'accord ? Je pense. J'ai mes possibilités à la condara, j'ai mes jambes beaux. Je me lève, je viens chercher ici. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de garder la demi-garde. Allez. De sécurité. Donc votre travail, ça va être à partir d'ici. Donc le coude soit bien rentré. Vous êtes là. C'est pour ça, là la demi-garde, il faut vraiment qu'elle soit forte. Et ici, de là, je pars là. Je viens sur le coude. Je l'ouvre. Regardez, avec mon pied, je. Je suis sur sa cheville quasiment. Là, je pourrais le voir ici. Là. Ici. Donc, l'idée, c'est que vous trouviez dans votre position que vous soyez suffisamment à l'aise pour aller chercher le bras opposé, la ramener vers vous. Et, dernier étage, je ne comprends pas. C'est comme sur la demi-garde ou sur le renversement. Attends, trompe-toi parce que sur le premier. Si votre pied est juste comme ça, ça ne va pas aller. Il faut qu'au moment où vous mettez la pression là-bas, il faut que votre pied il rentre celui-ci. Il rentre là. Vous essayez ce petit levier ici. Et vous tirez et le dos il vient tout seul. Ok ? On essaye ? 1, 2.